suppléant. Pas de suppléant, c'est choisi. On respecte nos suppléants. Nous tenons la parité, nous, sur Bruxelles. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parité, ce serait des titulaires. Paritaire. On fait le FN. On fait le FN. Ah, mais si, c'est comme ça. C'est les seuls qui le font. Non, mais sauf à passer par l'opération, Famille n'est pas là. Bertrand est mort. On peut pas. Peut-être qu'il y a une candidate en marche qu'on ne connaît pas. Ah oui, à l'arrivée, c'est possible. Mais si on regarde bien En Marche, c'est pas possible. Il faudra prendre ici. On va dire, c'est des duos. Je crois qu'il y a une. Mais de toute façon, Emmanuel Macron a annoncé qu'il instaurerait la parité dans les candidatures, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi à l'échelle d'une titulaire. C'est sûr, après, tu vois bien ce qui se fait maintenant, on s'oubliera aux décisions. Voilà. Vous ralliez tous les deux derrière le candidat. C'est logique, à partir du moment où on demande une candidature En Marche, une commission, on la respecte. On veut d'abord donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron. Il sera là pour le rappeler, monsieur. Non, là-dessus, on est très clair. Pourquoi vous foutez? Non, mais je... Parce que M. Troussel a dit, il sait déjà qu'il y a une candidate femme qui va avoir la restitution. Non. C'est ça la presse qui... Non, c'est que... Je connais un peu les politiques à France. Il arrive que parfois il y a des retournements de situation. Nous ne sommes pas des pièces. Pas encore. Et pas la vous, est-ce que vous savez s'il y a d'autres c'est pas transparent le nom. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on est deux candidats officiellement déclarés à avoir demandé l'investiture en Marche, mais vraisemblablement sur le territoire, il y a d'autres demandes. A priori, il y en aurait de 13 000. Donc, pour 570 peut-être. Il est fort possible. Donc, ça en fait 308. Oui, voilà. 20 par personne. Voilà, ça serait logique qu'il y en ait plus. Oui, c'était la liberté de chaque citoyen de déposer une demande d'investiture, donc là-dessus, moi je n'ai pas d'éléments. Et au même titre que c'était notre liberté à Bertrand et à moi de dire officiellement qu'on avait fait la demande d'investiture. Parce qu'on aurait pu ne pas le dire. Bien sûr. On a dû être transparent à partir du moment où on faisait cette demande. Et la situation aujourd'hui, on a effectivement, nous, individuellement, des profils professionnels, un vécu politique, associatif différents, mais on est l'un et l'autre à partager les idées du mouvement En Marche. Donc aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait cohérent d'avoir, avant toute élection, toute attribution d'investiture, d'avoir effectivement ce qu'on est en train de faire entre vous, un désistement réciproque de la part de celui qui n'aurait pas l'investiture au profit de celui qui l'aurait. On est bien là, comme le dit Thomas, pour faire en sorte qu'Emmanuel Macron soit le président de la République. Et on réfléchira après législatif pour donner une majorité à Emmanuel Macron, président de la République. Donc aujourd'hui, on souhaite effectivement que ce mouvement En Marche soit le mouvement qui dirige la France l'année prochaine et pour les 5 années qui suivent. On n'est absolument pas dans une candidature sur des ambitions personnelles, on est sur une candidature au profit d'un mouvement dans lequel on croit et dont les convictions sont partagées avec les autres. Imaginons que les investitures distribué après les résultats des élections présidentielles. Et imaginons aussi que Emmanuel Macron ne soit pas élu. Ça aurait beaucoup moins de poids de tenir l'investiture. Oui, mais ça ne change rien parce que Emmanuel Macron, ça ne s'est pas échappé, a annoncé que en cas d'échec, il prendrait la tête du mouvement En Marche pour l'inscrire durablement dans l'usage politique. Donc il y aura quand même, on pourra être éventuellement élu dans l'opposition. Donc ça change strictement rien, on aura besoin de cette même unité et d'être tous les deux, l'un ou l'autre derrière celui qui sera investi. Au contraire, il faudra encore être plus soudé derrière celui qui aura investi. Parce que ne vous échappera pas que sinon ça sera plus compliqué si Emmanuel Macron n'est pas derrière. Mais pour autant, ça ne changera pas nos convictions et nos idées. Quand je vous ai vérifié par cette question, c'était pas l'opportunisme. Vous avez plutôt bien répondu. Merci. Ils doivent t'enregistrer. Oui, voilà, c'est pas. Alors, troisième scénario, c'est ni l'un ni l'autre de nous qui est investi. Vous suivez le troisième ? De la même façon, bien sûr. Investi, quel qu'il soit. Thomas ou moi ne serons candidats que si on est investi par parti En Marche. Et si c'est une tierce personne que l'on ne connaît pas aujourd'hui qui a cette investiture, on s'oubliera aux décisions de ce que En Marche proposera. C'est tout ? On vous a pas entendu, madame. Non, je pense que ça correspond pleinement à ce que prône aujourd'hui le mouvement En Marche et Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est au-delà des clivages habituels politiques gauche-droite, où à l'Assemblée nationale, on ne vote pas une loi qui pourtant peut paraître opportune. On ne la vote pas parce que c'est un des partis opposés, un des clivages opposés qui le propose. Aujourd'hui, je crois que les Français en ont assez de ce fonctionnement politique. Et je pense que ce type d'entente, ce type de raisonnement concerté qu'on peut avoir aujourd'hui, il va dans le sens de ce que souhaitent nos citoyens. On est bien là sur des convictions partagées, sur l'envie d'associer à la fois les élus, la société civile à la prise de décision et au profit du bien commun. On s'inscrit dans le bien commun. Il y a aussi un autre point, c'est que je pense que notre candidature respective se voulait avant tout une candidature d'unité et de rassemblement dans le Sud-Manche, ce qui fait très défaut dans le Sud-Manche. Et on le voit bien, enfin, moi ça a toujours été mon objectif en me portant candidat. Pierre François s'est ensuite porté candidat. Et on sent que tous les deux, Bertrand et moi, finalement derrière nous, il y a un peu les mêmes personnes qui nous soutiennent. Et bon, forcément, ils ne peuvent soutenir au final dans l'urne qu'une personne. Et on le voit bien depuis quelques jours où on en a parlé autour de nous. Tous les gens qui sont autour de Bertrand ou de moi sont très contents de cette décision parce que ce qu'ils veulent, c'est avoir un député qui va travailler main dans la main avec eux. Et ils savent que ce soit Bertrand ou moi, on sera ce député. On sera ce député qui va vraiment travailler pour le Sud-Manche, qui ne va pas travailler pour un plan de carrière et pour un siège de député pour 3 mandats. Déjà, avec Bertrand, on est tout à fait en phase sur un maximum de 2 mandats de suite. Donc, au-delà du mouvement En Marche, ce qu'on fait aujourd'hui va vraiment dans le sens de ce qu'attend la seconde circonscription de Manche. Ce qu'on propose à travers nos candidatures, c'est effectivement une nouvelle façon de travailler. Ça ne veut pas dire que le député en place a une façon de travailler qui n'est pas bonne, ce n'est pas nous juger, ce n'est pas les électeurs pour juger dans les urnes. Aujourd'hui, on propose une autre façon de travailler avec la notion de rendre compte, la notion de transparence. L'un comme l'autre, et on en a discuté longuement, si demain nous sommes députés, nous aurons chaque année un rendu à la population, un rendu aux élus de notre territoire. Vous taclez par la loi, ça c'est votre interprétation, monsieur le François. Vous dites, je ne suis pas là pour juger, vous allez poser la question. Vous allez poser la question. Vous sous-entendez qu'il n'est pas. Moi je ne suis pas là pour critiquer l'action de Guénazette, je suis là pour dire qu'on travaillera différemment. D'accord. C'est-à-dire que nos candidatures ne sont pas des candidatures d'opposition aux députés en place, mais des candidatures sur une autre façon de faire. Nous pensons que c'est important d'avoir un territoire qui soit rassemblé, uni autour d'une candidature. Et ça s'est décidé quand, ça, finalement? On se côtoie depuis un bon moment, en fait. Vous avez dit, au lieu d'être de prendre le mur, autant laisser une chance à la nouvelle dans le mur. Non, je pense qu'on participe ensemble à ce qui se passe chez En Marche. Donc on a l'occasion de se rencontrer, on a l'occasion d'échanger. Et aujourd'hui, encore une fois, comme on l'a dit au tout départ, on n'est pas là sur une ambition personnelle, on est là sur des idées d'un mouvement politique qui nous parle et qui convient à nos convictions et à qui on est. Donc aujourd'hui, partir sur des candidatures conjointes, enfin, comment dire, qui seraient concurrentielles finalement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et c'est à l'inverse de ce que prône le mouvement En Marche. On aurait pu ne pas faire cette conférence de presse, d'accord, parce que pour moi c'est une évidence, à partir du moment où on demande l'investiture, on se soumet à la décision de la Commission nationale d'investiture. Donc on aurait pu ne pas faire cette conférence de presse. On voit bien sur les réseaux sociaux que les gens avaient quand même des doutes, d'accord, donc on a voulu clarifier les choses parce que c'est vraiment une évidence. On n'avait pas besoin forcément d'en parler ensemble, mais pour moi ça ne faisait pas de doute. En ce qui me concerne, les qu'on j'en ai discuté avec Bertrand, c'était exactement la même chose. On voit sur certaines circonscriptions du département de la Manche, au sein de certains partis, les gens vont être aujourd'hui sous une forme primaire au premier tour des législatives. Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une fois une image de la politique que nos concitoyens ne souhaitent pas. Et ce qu'on souhaite aussi avec Bertrand, c'est au travers de cette conférence de presse, c'est aussi de donner un exemple partout en France. Parce que je pense que ce qui se passe dans notre circonscription va se passer, et encore dans notre circonscription, on va dire pour l'instant on n'a officiellement que 2 candidats. Dans d'autres circonscriptions, il y aura plus de candidats, et de pouvoir montrer cet exemple d'unité derrière le candidat investi. Et ça, c'est très important parce que, avant tout, il va falloir avoir la majorité présidentielle. Ce n'est pas juste le cas de la seconde circonscription de la Manche. Ce qu'on fait là, on va être fait partout en France. Donc on espère que voilà, on sera relayer comme il faut. Aujourd'hui, moi, ce que je vois dans le mouvement En Marche, c'est ce que je vis au sein d'un conseil municipal. Nous avons des conseils municipaux dans nos communes qui n'ont pas de parquet politique. On a cette capacité à travailler ensemble, à échanger sur le bien commun, sur des projets qui servent le bien commun. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu, et c'est ce que Emmanuel Macron propose, c'est qu'on est capable à l'échelon national de travailler pour les... Vous parlez d'ailleurs pour les métiers du carré, sauf qu'au niveau national, il faut bien t'encarter dans une famille. Ouais, ce qui me relocale les moirés à l'Assemblée. Alors, soit on reste sur le constat, ou soit on se dit on est capable d'impacter cette situation posée. Ce qui peut être intéressant, vous dites au-delà des clivages, avant le mouvement En Marche, vous étiez vous par exemple. Moi, je n'ai jamais été encarté politique. D'accord. Et vous, monsieur Collardeau, non plus. D'accord. Plutôt droite, gauche. On a nos convictions personnelles. Moi, je suis en politique depuis 16 ans et à aucun moment j'ai eu besoin de faire valoir des idées de droite ou des idées de gauche qui pourraient être les miennes pour mener des projets, pour fédérer une équipe autour de nous. Donc aujourd'hui, encore une fois, En Marche s'inscrit pleinement dans cette idée de faire de la politique, de rassembler, d'unir. Aujourd'hui, on a une politique qui divise. On le voit très bien dans les réactions des différents électeurs. On les voit sur les réseaux sociaux. Du Front National, tout ça. Par exemple. Et je pense que ça fait le lit du Front National, cette opposition. Emmanuel Macron est le seul candidat aujourd'hui qui rassemble, contrairement aux autres candidats qui divisent. C'est pour ça que je pense que Emmanuel Macron sera seul en capacité à diriger le pays. Aujourd'hui, on a des... Il y a 3 ans, il était... Vous savez, il y a des fois des grandes aventures qui ont commencé comme ça. Il faut bien un début à quelque chose. Donc moi, je crois pertinemment qu'aujourd'hui, on peut avoir en France, si Emmanuel Macron était là, une nouvelle façon de faire de la politique qui s'inscrit. Et si Emmanuel Macron était là depuis 35 ans politique, vous diriez, ça fait 35 ans qu'on on en a un petit peu marre. Ça aussi. Et qu'est-ce qui vous séduit tant chez Emmanuel Macron? Monsieur Sorre d'abord. Qu'est-ce qui vous séduit tant? Je crois que d'abord il y a cette volonté de réunion, il y a cette capacité à dire que des bonnes choses, des bonnes idées, des bonnes façons de faire, des bonnes pratiques, à droite comme à gauche. Et je crois que surtout il y a un constat, qu'on ne peut pas continuer à faire de la politique comme on fait maintenant. Voilà, moi j'entends chez la population, les gens que je côtoie tous les jours, cette exaspération devant des clivages politiques qui... Je n'ai pas écouté tous les débats, mais je me rappelle un truc qui m'a frappé, c'est Emmanuel Macron, il dit qu'il était prêt à rémunérer les professeurs 3 000 € en vrai. L'éducation prioritaire, c'est-à-dire que ça fait partie des choses que vous pensez possibles. Dans les REP+, hein, qui sont des zones particulièrement difficiles à vivre... en plus, vous êtes professeur. Oui, c'est un sujet qui me parle. Ouais. Aujourd'hui, le lire, écrire, compter, il est primordial. Moi, je travaille en collège, dans un secteur qui est loin d'être défavorisé, où on accueille des jeunes, on accueille 20% des jeunes entrant en collège qui ne maîtrisent pas le lire, écrire, compter, et qui les pénalisent tout au long de leur scolarité. Donc aujourd'hui, la proposition d'Emmanuel Macron sur des zones particulièrement défavorisées, de dédoubler les effectifs avec 12 élèves au maximum, le fait d'accompagner financièrement des enseignants, je trouve qu'effectivement, c'est donner une chance à ces enfants de s'intégrer par la suite dans la société, à la fois... C'est pas utopique, monsieur Sorre, c'est pas utopique possible. C'est des choix, ça s'appelle des choix. La même question du coup aussi à monsieur Collardeau, ce qui vous a séduit chez Emmanuel Macron. Alors, chez Emmanuel Macron... La première chose, c'est cette capacité finalement à aller sur la même table, la liberté d'entreprendre, et en même temps la solidarité qui se traduit par l'égalité. Et l'égalité, vous savez que c'est depuis mon engagement, je me bats, enfin je parle d'éducation, parce que je considère que l'éducation, c'est là où on peut ramener l'égalité quand il n'y a pas égalité à la naissance. Donc c'est le seul candidat aujourd'hui qui arrive à ne pas opposer la liberté d'un côté et l'égalité ou la solidarité de l'autre côté. Il a très bien expliqué en expliquant qu'entre les deux, il faut mettre de la fraternité. Emmanuel Macron a aussi un autre défi à relever, et je pense qu'avec Bertrand Sorre représenté à l'échelon local, c'est si il est élu, derrière on va avoir un vrai renouvellement de la classe politique. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Vous allez avoir, on va changer les personnes qui aujourd'hui sont à l'Assemblée nationale, mais de manière assez massive, ce qui n'arrivera pas si Fillon a été élu. Et là, si on change les hommes, on peut changer la manière de faire la politique. Et c'est le seul de le faire. Avec Bertrand, pas très bon président à ce renouvellement démocratique. On peut revenir aussi sur des volontés d'éthique, des volontés de transparence. On peut revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les politiques ne doivent plus être des politiques professionnelles. Quand j'ai été élu maire, j'ai très clairement dit je serai au maximum 2 mandats maire à Saint-Pierre-sur-Mer. Et j'arrêterai de souffler. Voilà cette habitude d'être un politique, de vivre de la politique, et pour beaucoup sans jamais avoir travaillé, en ayant un éloignement considérable des réalités du quotidien des Français, c'est quelque chose sur lequel Emmanuel Macron veut inverser les choses. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut être un bon politique de légiférer de façon cohérente que si on est réellement conscient des difficultés quotidiennes des Français, parce qu'on les vit, parce qu'on les connaît. Et surtout, éviter d'avoir des politiques qui sont en perpétuelle campagne électorale pour être élus. Parce que c'est un des grands problèmes de la politique. Et lui, Thomas, comme moi, on a un métier. On a après un investissement associatif et politique qui est différent, mais on a un métier. Ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Mais est-ce que élu, on garde ce métier? Élu, on ne garde pas ce métier. Alors, non, mais c'est une très bonne remarque parce que Emmanuel Macron l'a précisé et moi, je fais partie des personnes très concernées puisque il sera interdit d'avoir une activité de conseil. En même temps, donc je ne pourrais pas garder mon activité de conseil. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe professionnelle qui me permettra de me mettre en retrait pendant mon mandat pour ensuite, à la fin de mon mandat, rebondir professionnellement. Voilà, mais c'est aussi, vous voyez, quand souvent on critique les politiques, c'est aussi un engagement, on prend des risques. On met sa situation personnelle en danger, mais bon, à un moment, c'est-à-dire, le jeu, on peut peut-être le changer personnel. C'est-à-dire qu'on fait pas, on fait ça aussi parce qu'on a envie de s'engager pour notre pays. Donc on met un petit peu ses intérêts personnels à côté. Et moi, si je peux proposer, je ne pourrai plus être maire de Saint-Pierre-sur-Mer si je suis élu député, puisque la loi l'interdit, je trouve un maléfiant. Par contre, je souhaite rester conseiller municipal de Saint-Pierre-sur-Mer, parce que c'est là aussi une façon de garder à l'œil les réalités du quotidien de nos concitoyens. Quelque part, effectivement, avec ces propositions d'Emmanuel Macron, on sort d'une zone de confort. Mais finalement, on est prêt à assumer les conséquences. J'ai entendu des échos à Saint-Pierre, vous êtes un peu victime de votre succès. Et Saint-Pierre, ils aiment tellement leur maire qu'ils ne veulent pas qu'ils soient députés. Ils vont dévoiler. Ils mettront dans... Ils le signifieront dans les urnes. Alors malheureusement pour moi, si je suis celui qui est investi par En Marche, et si c'est Thomas qui est investi, ça lui sera pas efficace. Si c'est pour ça le défaut d'être un bon maire, ça va. Oui, oui, tant mieux. Et vous assurez que comme petit déglomaire, enfin comme petite commune, terre et mer? Alors je ne resterai pas à la commune de... Pas en tant que vice-président. Pas en tant que vice-président, puisque là aussi la loi l'interdit. Là-dessus, j'ai pas pris de position. Je pense que fort logiquement, je serai remplacé à la communauté de communes par la personne qui sera une maire à Saint-Pierre-sur-Mer. Il faut être cohérent. On ne sait toujours pas qui est pressenti. Enfin, non, on l'annonce pas publiquement, du moins, pour le moment. Parce que vous savez, monsieur le conseil. Et ça peut être ni l'un ni l'autre. Pour l'un ou l'autre. Pas gentil pour le... La mairie, tu parles de... Non, de la mairie de Saint-Pierre. Ah, la mairie. C'est le conseil municipal qui décidera. On fait des candidatures. Non, puis c'est pas au maire de choisir. Je ne coopte pas. J'ai justement à l'inverse de ce qu'on dit. Voilà, on ne coopte pas. Désormais, c'est fini. Peut-être une dernière, comme maintenant vous êtes officiellement dans la même équipe. Qui est pour vous le candidat le plus dangereux à votre investiture, en face de députation et dans la circonscription du Sud-Manche? Il y a une diversité dans les candidatures. Après, on sait pertinemment qu'un député en place a forcément un primo sortant. Et ne pas négliger le candidat du Front National, malheureusement. Mais il y a, à travers ce que j'ai pu voir des candidatures aujourd'hui déclarées, il y a plein de gens qui ont des profits plus qu'intéressants. Et là aussi, c'est un challenge. Si l'un de nous deux est élu demain député du Sud-Manche, de pouvoir travailler aussi avec ces candidats, parce qu'il faut savoir prendre en compte, je pense, une diversité d'opinions et une diversité de convictions. Notre rôle de député, c'est prioritairement de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Mais c'est localement aussi avoir cette capacité à fédérer, à mettre les élus autour de table pour décider des choses qui soient porteuses, qui soient profitables à l'ensemble de nous. On pourra peut-être compter sur nous pour réaliser l'intégration de Foix de Gouin en Courant-Ville et la Roche. C'est du domaine du département. Voilà. Il ne faut pas non plus se tromper sur les compétences. Un député qui peut être un facilitateur. Voilà, effectivement. Il peut faire en sorte que certains financements d'État arrivent. Bien sûr. Mais il ne faut pas se tromper, c'est que ce n'est pas le député qui doit porter un projet de Foix de Gouin entre Grand-Pierre. Et si, voilà, si on veut changer un peu avec la manière d'affaire, il faut vraiment respecter chaque élu dans son mandat. C'est-à-dire que si on est député, on est député. On n'est pas conseiller départemental, on n'est pas conseiller régional. On doit travailler avec ces personnes qui ont elles-mêmes été élues. Et on doit aussi avec les maires dans la commune. Moi j'ai pris cet engagement dans ma charte ici de ne pas faire d'ingérence dans les collectivités territoriales. Et là c'est un bel exemple. Maintenant on sera derrière les élus, vous savez, être député c'est aussi être à la disposition des élus. C'est vraiment se mettre à leur service. C'est pas, le député doit nous servir à nous, doit servir aux autres personnes, aux élus et aux habitants. Député, de voir la compétence, la capacité à fédérer, à être autour d'une table pour des projets porteurs pour un territoire, qui soit susceptible de renforcer l'attractivité du territoire, l'attractivité économique notamment, pour créer de l'emploi. C'est le rôle du député, à nos yeux, c'est celui-ci. Aujourd'hui, si on avait un territoire divisé, si on a un territoire divisé entre les élus, forcément, c'est un frein au développement du territoire et forcément, c'est un frein à la capacité à porter des projets bénéfiques à tous. Le rôle de l'élu, le rôle du député, pardon, c'est un élu national. Il doit être capable d'anticiper les besoins de son territoire en associant les élus du terrain. Et là, il faut aussi créer cette unité entre les personnes mais aussi entre les territoires. Et je pense que nous sommes les bonnes personnes pour créer cette unité, parce qu'on le voit déjà sur le terrain, quand on se déplace, d'excellents rapports, que ce soit Bertrand ou moi, avec les élus du sud de la circonscription, qui ont envie de travailler avec nous. Je pense qu'aujourd'hui, le grand inquiétude, c'était pour tous les deux candidats, et je pense qu'ils seront rassurés de savoir que l'un ni deux aura de réelles chances de remporter cette élection pour travailler avec eux. Parce que nous, les élus avec qui on discute, c'est pas Bertrand Sorre ou Thomas Collardeau. Ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un avec qui travailler. Et je pense qu'ils nous apprécient, que ce soit Bertrand ou moi. Voilà, et aujourd'hui, les retours qu'on a depuis qu'on a fait cette décision de l'officialiser, ils sont très contents de savoir qu'on pouvoir s'appuyer sur la main. Là, il ne faut pas vous cacher qu'à la fois chez les habitants et chez les élus du territoire, il y a une attente de renouvellement. Il y a une attente de renouvellement que l'on incarne, Thomas ou moi. On est identifié par les habitants, les élus, comme des candidats avec des profils qui permettent de renouveler la façon de faire de la politique dans cette deuxième circonscription. Et cette notion de renouvellement, elle est importante actuellement. Elle est très prégnante dans les échanges qu'on a. Et on s'inscrit l'un comme l'autre comme des candidats de proximité, des députés de proximité, au service des habitants, au service des élus, au service de notre territoire. J'ai réussi à laisser monsieur Troussal bouche bée. Oh bah alors là. Champagne. Moins simple. Vous faites David Nicolas là-dedans, il vous aide, il vous aide, il vous posez-vous la question. Ouais, j'ai déjà eu des réponses. D'accord. À la même époque. D'accord. Non mais moi je suis pas habilité à parler avec David Nicolas. La seule chose que je peux dire, c'est que là j'ai parlé à mon nom, c'est que j'ai rencontré David Nicolas plusieurs fois. Et je pense que si je suis élu, nous saurons travailler ensemble. D'accord. Non, maintenant, David Nicolas, s'il en veut se positionner à un moment donné dans la campagne, il le fera. C'est déjà quelque part, il est plutôt rosé Manuel. Je doute qu'il soit intéressé à coordinateur. Moi, j'ai mal souvenir Manuel, mais il faut savoir. Donc, la prochaine fois, mais de là se déclarer. Prochaine conférence de presse, on l'invitera. Voilà, c'est autre chose. Il pourra répondre à la question. Ça sera un vrai scoop. Pour lui ? Non, de l'inviter à vos côtés. Ah bon, on peut l'inviter au contraire. Non, mais comme ça, vous pourrez lui poser des questions, parce que moi, je peux vraiment pas répondre à sa place. C'est une bonne question, c'est juste un sondage. Par contre, mais que ce soit lui ou d'autres maires du territoire, évidemment, on a des échanges avec... Oui, il y a des bons, madame de Maison. Oui, une commune importante. Vous avez couvert le territoire pendant le week-end? Non. Non, je sais pas si c'est du sport, comme beaucoup de personnes, je pense. Avez-vous des questionnements par rapport à cette... C'était suffisamment clair. Oui. Et sans grande surprise non plus, donc pas... Ouais, on l'a vu sur la Manche libre. En fait, la Manche libre avant, je dois beaucoup lire les réseaux sociaux. Non, c'est un rôle, apparemment. C'est ça. Ouais, mais c'est... Ils sont à l'affût, hein. Ils ont raison, c'est un outil de communication. Eh bien, dès qu'on poste quelque chose sur Facebook, dès que sur Internet, vous publiez quelque chose, ça réagit immédiatement. Mais on avait été les premiers à vous le dire d'ailleurs avec Madame de Maison. Vous aviez tiré les oreilles. Vous aviez annoncé votre candidature. Non, mais c'est le risque. C'est le risque, bien sûr. Les réseaux sociaux, ça a tellement ri que vous arrivez à un point près, il est déjà cramé parce que. Mais c'est loin de couvrir toute la population. Oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Surtout dans notre territoire, je suis d'accord avec vous. Vous restez très important. Et moi, on voit sur Facebook. On voit sur Facebook. Surtout de certaines... Donc, sur Facebook, le papier encore présent. Les conférences de presse sont aussi... Viennent confirmer les rumeurs de Facebook. Exactement. Les officialisent. Tout ce que dit la presse, c'est vrai. On va avoir une belle photo avec Bertrand Sorre. Exactement. C'est pas un montage... Et voilà. C'est exactement ce que je me suis dit tout à l'heure. Comme le brancher avec deux photos... Je me suis dit au moins... Je suis sûr qu'ils vont très vite exploiter ma photo. Mais elle commence à dater la mienne en plus. C'était la photo qui est dessus, c'est la photo des municipales à Saint-Pair. Ouais, tout à fait. On se met dehors pour la photo. Merci.